Manga Salomuntu Gina se manga Somuntu Vase Carvare Owa Gichwale Amatala Inflisio Inflisio Oyami Isitwelo Seivon Joy Hategekimana du Burundi. Le projet des enfants de la rue m'est venu du fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants et de femmes pauvres qui toquaient à notre porte. Des fois, je donnais de la nourriture ou de l'argent, mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. D'où il m'est venu l'idée de leur proposer de retourner à l'école, puisqu'en les écoutant, certains d'entre eux me disaient qu'ils ont abandonné l'école suite au manque de moyens et que chez eux, ils n'ont même pas à manger. J'ai eu le courage de visiter quelques familles de ces enfants. Je me suis rendu compte que ce que m'ont raconté ces enfants est vrai. Ce sont des familles pauvres. Il y avait même des enfants qui sont restés à la maison qui souffrent de la malnutrition. J'ai tenté de les faire retourner à l'école, tout en espérant que si nous contribuons à leur restauration dans leurs familles respectives, la situation serait meilleure. Cela n'a pas marché. Tous ces enfants sont retournés dans la rue. Et à leur demanda pourquoi, ils ont dit qu'ils sont maltraités dans leur famille. De cela, l'idée est née de chercher un centre d'accueil pour ces enfants, où ils pourront bénéficier de la rééducation avant d'être réinsérés à l'école. Nous vous avons jugé bon de commencer avec 20 enfants, et nous avons une psychologue, Mme Corinne Daïra-Guigé, qui a un peu d'expérience dans l'accompagnement des enfants de la rue. Des fois, nous organisons des visites à l'endroit de ces enfants pour échanger, les écouter et partager avec eux autant que nous le pouvons. Aujourd'hui, nous avons déjà acheté un terrain grâce à la contribution d'une sœur consacrée de nationalité française, Colette Fab, qui a passé 20 mois au Burundi et c'est avec elle que le projet a commencé. Nous voudrions construire une maison avec des chambres de logement, un réfectoire et une chapelle. Cela nous demanderait beaucoup de moyens, tant matériels qu'humains. Nous estimons le faire avec 30 000 euros, mais avec 10 000 euros, nous pouvons commencer la première phase de clôture du terrain et commencer la construction de la maison tout en exploitant déjà le terrain pour avoir de quoi nourrir ses enfants. Nous vous remercions de votre précieux soutien, tant matériel que spirituel. Comme le dit Jésus, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est à Matthieu 25, 40. Chalela, amachala, amlesi oyamlesi.